j'entends mes haricots, mais haricots plutôt, je vais retourner à l'école, j'arrive. Oh, mon italien, le content de mes couilles. Voilà. Bon les gars, on est sûr. Ciao Guti, Vanguard. On continue. J'arrête de gueuler. T'inquiète, vous étiez pas. Je vais me calmer dans 2 secondes. Vous savez pas qu'est-ce que je fais derrière l'écran là. Je suis en train de faire des... Je rêve. Bon les gars, je suis super excitée. Faut pas penser au truc de Peggy 18. Hein, voilà. On va pas attendre 2000 ans, hein. Mais quand on est sur Call of Duty Vanguard. La suite. La suite. La suite. Le compteur. Bon, j'espère que ça a pas changé. Mais sinon, je vais pleurer. Comme d'hab, tu vois. Par contre, je crois que la souris ne marchait pas. On va voir si elle marche. Eh non, mais le compteur. Wouh, je vais te calmer, toi. Ouh. Ok, mise à jour. Ah oui, il y avait une mise à jour, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Putain, ça va être long. Eh, mais ta maman l'a gentille en fait. Putain. Ne fais pas de mettre l'abonnement. Ah, merci. Ah, te cercer. Oh, j'étais là, moi. Eh, mais je comprends rien, moi. Je capture, là. Hein? C'est quoi, ça? C'est quoi, le rond jaune? Et une suite? Ok, je comprends rien. Je crois qu'on était à capture. Oh, on n'est pas là, nous. Je crois qu'on était à là. Ouais, 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 on était à là. Reprendre. Wouh! Putain, c'est le logo de Adidas, ça, je reconnais. Ils ont copié. Regarde, c'est le même. C'est le même. Putain, les bâtards. Oh, les bâtards. Oh, oh, oh. Oh, bon, allez, ça va pas prendre 2 ans pour faire un truc, là. Ah, ma maman. Ne sois pas là, maman. Ouais, hein? C'est bon, là? Waouh, ils ont rajouté une animation, hein? Pour pas être long, hein? Ça, c'est vraiment quand t'attends super long. J'ai une patience, hein? La patience a des limites, hein? Mais ça fait que 3 Qu'est-ce minutes. Que tu as là? Des bouteilles vides? Je forme de nouveaux partisans. Comment c'est déjà? Putain. Les camarades n'ont pas besoin d'aide. Ta mère. C'est pour en faire des molotov. Est-ce bien prudent de donner des explosifs à des civils? Papa, tu t'en fais beaucoup trop. Je vais m'asseoir, si te dérange pas. Vex. Non, ça tu le feras très bien tout seul. Moru. Bégas. Asseyez-vous. Je vais être en retard. Assez. Oui, c'est ton chien, quoi. Là, voilà. N'est-ce pas agréable? Un bon petit déjeuner en famille. Des bombes et des balles. Quoi de mieux pour commencer la journée? Tu sais, j'ai un garçon, tu vas finir par te faire tuer. Garder ce vieux fusil dans la maison, papa. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Non, pas du tout. Il paraît que les Allemands approchent du front. C'est là-bas que tu te rends? Non. Ils m'ont dit que c'était pas la meilleure place pour moi. Alors, j'entraîne les nouvelles recrues. Putain, ça me donne faim, ça. Je peux manger une heure de vie. Ça aurait été sympa si j'avais eu mon mot à dire. Au moins, toi, tu peux te battre. Arrête avec ça, bon sang. Ça suffit. Mais, juste, pourquoi il change de voix? Je comprends pas. On reprend. Vous avez tous les deux un rôle à jouer. En parlant de ça, si ces enfoirés arrivent à passer la ligne... Vous pouvez me les envoyer. Bien sûr, papa. Mais ils passeront pas la ligne. Jamais. Merde, je suis en retard, ils m'attendent. Micha, ta caisse. Je vous jure, il serait capable d'oublier sa tête si on n'était pas là. Il serait perdu, ça. Tu me demandes. Bon, je passerai aller lui apporter en allant au poste médical. Tu aides ton pays bien plus que tu le crois. Et tu fais la fierté de ton vieux père. Merci.
Bon, j'amène la bière aux Allemands. Bon, à plus tard. Ouais, et eh ben non. C'était une blague, c'était pas drôle. Putain, mais pourquoi il y a plein de ronds? Moi, j'ai dû boire une en passant. Mais... Si vous parlez? Putain. Ah ouais. Hein. Les filles, tout le temps... Oh putain, j'ai failli tomber. Je parle trop. Je crois que t'es un Allemand. T'es un Allemand? Sinon, je te donne des bières, hein. Tu veux? Non? Non, toi aussi? Ok. Putain, c'est des Allemands en plus. Oh putain. Ah, good, là, tout compris. Tout compris. Ça me détoile. J'en suis convaincu. Allemand. Oh, ça a changé l'ambiance. Point de contrôle, c'est elle. Salut. Sauve nos hommes aujourd'hui, veux-tu? Ok, compris. Je dois aller où dans cette histoire, moi? Oh, c'est gay! Il y a des gens qui dorment! Je réserve du Borodinsky. On est trop loin, tu peux plus parler. Lui, il est en train de danser avec son sac, je comprends pas. Ouais. Oh, désolé, Michel. On a oublié? Tu me sauves la vie. J'arrive tout de suite. Je devrais venir avec toi. Tu devrais, en effet. J'ai bien peu de pratique que ces crétins de la mort. Parle pas si fort. Je te déconseille de te mettre ces gars à dos. Bon. Et ne fais rien que je ne ferai pas. J'en serais bien incapable. Je suis nul au tir, comparé à toi. C'est dommage qu'on puisse pas échanger nos places. Cet uniforme m'irait vachement bien. Essaie quand même de revenir vivant de cette mission. En un ou plusieurs morceaux, peu importe. Je suis devenu plutôt doué pour assister les légendes. Oui, madame. Et maintenant, je suis en retard. Je vais encore devoir passer par les toits. Tu sais que tu vas finir par te tuer, à force de grimper là-haut. Je te promets que tu pourras dire, je te l'avais dit, si ça arrive. Allez, file. J'y vais. C'est des bons Allemands, ça, je m'en doutais. Bon, là, on peut courir ou pas, là? D'habitude, tu as bien plus de choix. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ok. Hop là. Ouais, c'est une Uncharted 5 ou quoi? Uncharted 4? Bonsoir. Putain, tu joues bien. Oula. J'ai un truc, non? Hop. Salut, encore. Bonjour, Paulina. Comment va la jambe de ton père? Mieux, enfin. Chut. C'est gentil de demander. Chut. T'as entendu la nouvelle? Quoi? Ne vous en faites pas. L'armée rouge a la situation en main. Bon, fais attention à toi. Double menton, va. J'ai un problème avec ça. Putain, mais je marche pas. Salut. Voilà, je croyais qu'on allait faire du parcours, de l'action. Oh, il pleut, hein. Il pleut. Pas bien. Chut. Ah, on peut pas monter. Ah là. Je suis con. Si c'est oui, a dit oui. Ah ouais, faut pas... Putain. Eh oh, des fils. Ok, rejeté. Je vais te frapper le drapeau, je sais pas pourquoi. Uncharted 4. Hop. Hop. Et hop là. Comme un escargot. Il court plus vite. Ah, mais on peut courir. Putain, mais je suis con aussi. Mais mec, c'est... Hop. Putain, mais c'est tellement classe. Ah ah. On peut pas changer de vue. J'ai l'habitude à Fortnite, ça se voit. C'est le... Bonsoir. Putain. Qu'est-ce que j'écoute, toi? Ok.
Mais pas du tout les screens, ils courent. Le médecin en chef vous attribuera vos fonctions. Elle se trouve de l'autre. Oh putain. Ah, cauchemar. Hop, oh, j'ai pas du tout mal au genou. Non. Ah, à terre. Putain. Bah ouais, mais mec, on n'entend même pas le pour prévenir. Ok. Non mais j'entends. Garde moi. Non. Ah. Mais bouge ta mère. Ah. 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 Venez, venez. Ah. Mais dégagez-vous là, putain. Oh, ouais, oh putain. Dégagez de là, mon dieu. Mets-toi, il prend toute la place. Mets-toi, prends toute la place. Ah, ah, Mehdi. Ah, mais dégage, toi, putain. Wait. Oh, j'ai chaud aux fesses. Ah, je vais pas te faire vivre. Je vais pas d'avoir la main. Ouais. Ah, 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 comme par hasard. Arrête! Non! Comme par hasard, soi-disant. Putain, allez, go, motherfucker! Hop là, hop! Allez! Ouais, c'est Titanic! Arrêtez! Toboggan! Voilà! Pardon? Wouah! Wouah, ça pique! Oh non, c'est une bombe! Jure! Mais il est en train de stresser! Ton pays, bien plus que tu le crois. Et tu fais la fierté de ton vieux père. Claire? Ouais. Putain. Putain. Je m'approche. Mais je comprends pas. Sa maison. Moi je trouve pas. Il a mal visé, hein, je crois. C'est moi? Pardon. Mais bah c'est bon, putain! Tu calmes toi! Ah non, c'est pas. Mais c'est bon. Y'a quelqu'un? Je vais le porter ce PD. Ah! Ah! Top! Ta mère! Putain! Paf! Viens! Paf! Putain! Fait niquer lui! Malade, va! Il a voulu toucher une femme, hein! Petit, va! Hein? Oh putain! Ta mère, toi! Ta mère! Putain! Ah! Attends, deux secondes, pousse! Putain! On va quitter Stalingrad tout de suite! Oh ta gueule! Fais qu'est-ce que je veux, hein? Obersteiner!
Ah mais ta gueule. Ah mais en fait c'est des Français. Vive les Français. On se balance une grenade, ils sont tous morts. Hein. Je me disais aussi des Français qui fassent ça. Putain, mais Gavi Bell, lui, il est malade, lui. Tu vas voir, là, je vais te tuer. Viens, viens, viens. Lui, là. Hop, hop là. Mais il faut aller où, wesh? Mais je veux monter. Ah, ouais, non. Eh. Salut. C'est comme ça qu'on rentre chez nous. Ah, mais doucement, hein. Hop là. Papa. Dégagez-vous! Si là! Ah, allez, allez! Ah, non, pas que tu pattes! Ah! On est! On est! Oh! Le mec est pas net! Oh! Pat! Tate dans ta. Attends juste. T'as pas de munitions, Michel? Réveille-toi! Je vais mourir, moi! Aïe! Wow! Mais dégage-toi! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Malade! Je vais les tous tuer avec l'arme! Mort! Tiens! Le scope! Oh putain! Attends deux secondes! Voilà! Putain! Dégage! Dégage! Hop! Le scope! Je veux tes palmes. Putain. Ah. Putain. 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 Ah mais tiens. Là, ils savent pas viser les Allemands. Oh petit poney va. Merde. Attends. J'ai oublié un truc. J'ai oublié mes chocolats. Ta gueule. Ta gueule. Oh, ils sont chinois. Tiens. Aïe. Putain, mais arrête. Arrête. Moi, ça bombarde, hein. Arrête. Putain, tu comprends pas le coup de poing. Tiens. C'est des Français. Ma petite Nightingale. J'aurais dû être là, papa Jean. Comment je les ai tous fumés, un par un, avec une poêle. On bat les couilles.
Chut, bordel. Aïe. Mais... putain, il y avait un Allemand, mais wesh, j'ai traversé à travers ou quoi? C'est un peu bizarre. Non. Les bandes de PD, va. On est dans les conduits d'aération. Wouhou ! Aïe ! Waouh, waouh, waouh. Il va ta mère là. Nique ta mère, tombe. Waouh. Pas de pop. Mais ça veut dire quoi, toi, ton truc, toi? Tu m'as sauté. Tu m'as sauté, man. Oh, je... ta gueule, toi. Aïe. Aïe. Mais aussi, mais hein? Mais vous croyez où là? Tiens, la dernière balle est pour Hitler. Je sais pas si on va le tuer un jour. Moi. Allez. Il est con lui. Ah t'es con hein. Allopi. Oh le bâtard. Bâtard. Ta merde. Oui, 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 oui. Ah, on a fait ce qu'ils font, bravo. Ok, passe dans le train. Ok. Je vais trop faire difficile moi. Yes. Quand t'aimes mal taf. Quand t'aimes mal taf. C'est des résistants ça. Eh bah ouais, on était le meilleur nous. Putain, je peux pas prendre là, sérieusement? Bon ok. Eh oh, pas bien de t'aider. Hier. T'es vrai ? Je crois que c'est des Français, hein, si c'est pas des Français. Hop là! Tu m'as pas touché. Ça met ta gueule, toi! Aïe! Ça fait mal! Moi, ouais, mais non!
Mais attendez, ouais, vous croyez où, là? Pas chocolat, non, on dit pas chocolat. Imagine, je suis en train de tuer tous mes coéquipiers depuis le départ, imagine. Ta gueule, putain, malade. Tu peux me faire le boulet, dédicace. Pap, pap, pap. Youhou, pap, 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 pap. Ah, putain, ta gueule. Je sais pas où aller, mais on s'en bat les couilles. Faut aller où, là? Ah, nettoyer la zone. Grenade! Ah, bon bah. Ah voilà. Ah bah ouais, mais comment veux-tu aussi? Et toi, c'est bon? Bon les gars, mauvaise nouvelle, tout le monde est mort, sauf... Toi qui sont tous morts, tu peux nous libérer maintenant? Serette, t'as été incroyable. On y va, tout de suite. Putain, j'ai eu tellement peur que tu sois... Moi? C'est toi qui es attaché. Occupe-toi des autres. Olia? Papa? Mort. Il nous a quittés. Oh. Oh non. Misha? Non. Misha? Non. On n'a pas le temps pour ça. Il faut qu'on fasse sortir tes recrues. Si on reste là plus longtemps... On est foutus. T'as raison. T'as raison. Ok. Allons-y. Mais imagine. Oh, je m'en bats les couilles. Ok. Misha, on doit essayer de rejoindre la Volga. Comment est-ce qu'on sort de ce bâtiment? Misha, réfléchis. Comment on fait pour rejoindre la rivière? Il y a une sortie, là. On pourrait peut-être tenter de passer par les égouts. Mais les Allemands bloquent le cours. Ça va pas être facile. Pas de matériel que je puisse utiliser, des armes ou autre. Il y avait des soldats en patrouille sur le toit. Ils avaient une radio, mais peut-être que tu y trouverais... J'ai pas de jambes. Pendant que tu conduis nos camarades vers les égouts. Si t'es sûr de toi, Sorette, peut-être que tu peux rejoindre le toit en grimpant par là. Ouah, je sais pas. Ça devrait te mener au toit. Viens, je vais t'aider. Je vais m'occuper de te couvrir. Je sais. T'as toujours été meilleur que moi, Mathieu. Père est avec moi maintenant. Et je sais qu'il ne voudrait pas qu'on se fasse tuer par ces connards dans ce bureau de poste. Il serait fier de toi. De nous, tu veux dire. Amène nos camarades jusqu'aux égouts. Moi, je vous couvre depuis le toit. Vise bien, ok? Je rate jamais. Hop là, hop là.
Une fois dans la rue. Je sais pas où je vais en fait. Je crois que je le fais tout seul. Ah non mec. Putain mais je suis tellement chaud moi. Hop là. J'ai trouvé une radio. Paulina, est-ce que t'envoies une sur le toit? Tu m'entends? Merde, je te reçois pas. J'espère que tu m'écoutes pour une fois. On est coincé dans le cratère, près du tramway. Bien. Ta gueule! Silence, en avant! Paulina, fais contraction! Aucun de vous ne quittera le train tombé! Ça suffit! Tu es content! À la droite, ok, Michel. Merde, ils sont tous, tous ces Allemands. Ton fion va. Pardon, ça. Ok, pousse, attendez, hop. Oui. Ok, disons. Hop, partez! C'est une arme, non? Mais ta gueule, hein! De l'autre côté du cratère! Ok, attends, juste deux secondes. Comment on change des. J'aimerais avoir ta précision! Ok, tout le monde! Direction les égouts maintenant! Paulina, continue de nous couvrir! Oh, bien joué, monsieur! On a besoin de temps pour ouvrir les égouts! Paulina, l'hôtel! Eh ouais, mais je veux bien, mais On est coincés, l'hôtel. Ils sont au-dessus du hall de l'hôtel! T'es encore meilleur que papa, Paulina! Oh, c'est bon, là. Je crois qu'ils essaient de t'atteindre par le flanc! Aïe, 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 aïe! Juste deux secondes, Michel! Paulina, descends et viens me retrouver! C'est bon, on a compris, Michel! Vous êtes où, mais vous êtes où, wesh? Bon, il a dit la babadie! Moi, je me aussi, mec, ils sont comme ça! Wesh, c'est bon là, il est. Fortinati da babadie! 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 Allez, ekis, ekis! Wouhou! Salam! Il va faire tournoi! Fortnite, da baba, j'ai un problème avec ça. Mais personne n'échappe vraiment à ça.
La machine de guerre nazie nous avait tous atteints, détruits en quelque sorte. Je crois que c'est ce qui chez nous a pu sauver. Mais pour Paulina, la blessure était plus profonde. Elle était déterminée à se venger. Mais c'est elle, l'élément le plus redoutable de mon équipe. Que voilà une émouvante histoire. Tu n'as même pas pu sauver la vie de ton père. Alors dis-moi, que fait une rouge avec un vieux fusil dans une opération secrète des Alliés? Tu ne me fais pas peur, petit rat. I wonder one and ten from the... Oh, je Pino crois Clark. Que tu te méprends, Fräulein. Je n'ai pas besoin de te faire peur. Oui, je veux seulement te faire crier. Ça poussera tes amis à parler. Pourquoi? Parce que je suis une femme? T'es pas très douée pour ça, je me trompe. Dis-moi. Quelles autres missions mènent les Alliés en Allemagne? Franchement, rien d'intéressant. Bon. Et qu'est-ce qui est intéressant, Fräulein? Freisinger. Allez le chercher. On fermera notre histoire ensemble. Amenez-la. Envoyez-moi tous les fichiers sur le commandant Steiner. Et toutes les photos du sniper russe. Lady Nightingale, oui, celle-là. Et... Herr Freisinger, je voulais vous voir. Nous avons la confirmation de la femme. Le sixième allié est mort. Vous êtes sûr? Mais j'ai fait peur, lui, par contre. L'autre Pinocchio, il fait pas peur, mais l'autre. Arrêté à Tempelhof. En train de voler un avion. Ça n'a aucun sens. Les prisonniers se sont moqués de vous, Richter. Et maintenant, c'est moi qui passe pour un idiot! On va amener l'Américain ici, maintenant. Et s'il faut que je l'interroge en personne, c'est que je n'ai plus besoin de vous. C'est-à-dire tuer. Nick Pisa. Fortnite et la babaji. Ça va? T'es aveugle? Je voulais juste être sympa. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je l'ai conseillé en torture. Détends-toi. J'ai menti comme tu l'as fait. Et il t'a cru? Il a arrêté de m'interroger quand j'ai parlé de Freisinger. Quand on sortira d'ici, la première chose que je ferai, c'est aller au cinéma, voir les trois mousquetaires, et me laisser séduire une nouvelle fois par Edith Mera. Moi et toi, Lucas, quelle est la première chose que tu feras? Moi, quand je serai chez moi, je me goinfrerai de Lamington, du gâteau non-stop. Je sais ce qui te manque. Ouais. J'irai au bar du coin et je demanderai à la belle Barbara de me servir des pintes de bière jusqu'à ce que j'oublie avoir participé à cette guerre infernale. Et je sais même pas si elle a encore envie.
que mes proches sont morts. Et la seule chose qui me fait me sentir vivante, c'est de voir un Allemand me supplier. Donc, je suis exactement à ma place. Wade est arrivé comme je l'espérais. Il a bien joué son rôle sans même connaître mon plan. L'équipe ne comptait pas sur lui. Mais je savais qu'il allait être aussi charmant qu'à l'accoutumée. Refais ça une fois, connard. Et toi et moi, on va avoir un sérieux problème. Votre équipe a menti à votre sujet, lieutenant. Lieutenant. Ah, c'était si difficile. Enfin, un peu de respect. Vous êtes le sixième homme. Alors pourquoi vouliez-vous cet avion? Vous, les nazis, vous me donnez presque envie de retourner dans le Pacifique. Je veux savoir sur quoi d'autre ils ont menti. Oh là 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 là! Ma PS4, elle va surchauffer, là, hein? Mes graphismes sont tellement... Pardon. Quand il parlait de Midway, il ne lésignait pas sur les hyperboles. Chaque fois qu'il racontait cette histoire, il changeait quelques détails. Il ajoutait des zéros ou un porte-avions à son tableau de chasse. Mais j'ai lu les rapports sur cette opération. Les exagérations de Wade n'étaient pas loin de la vérité. Pour rappel, vos objectifs principaux sont deux porte-avions japonais. Les escadrilles VS et VB en prendront chacun un. L'escadrille 6 sera là en soutien. Si la météo reste clémente, on en aura fini en moins de deux. Et alors, nous aurons le... Donc, si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre des likes, commenter, partager, et le plus important, de vous abonner, bien sûr. Voilà, partager sur Snapchat, tout ça, tout ça. Voilà, il y aura une nouvelle vidéo bien sûr, donc là ça va péter ça. Comment dire, ça va être trop bien, ça va être trop bien la suite, peut-être dans longtemps. Donc si vous avez aimé, c'est parti, bonne idée, bonne idée.